Voilà, eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter mon premier 8 cadets que j'ai entraîné en 1980 pour l'aviron de Joinville. C'était ma première année d'entraîneur. Et bien sûr, j'ai commencé, on a fait fort, avec un 8 cadet. Eh bien, je vais vous présenter ces jeunes hommes tels qu'ils étaient en 1980. Alors là, eh bien, vous avez Stéphane Houzel. Son frère d'ailleurs, Ramé, aussi était senior, Ramé à l'aviron de Joinville. On a à côté, alors le jeune homme, le blond là, eh bien je ne me rappelle plus son nom. À côté, vous avez Soufès, je ne me rappelle plus son prénom. À côté, alors ce jeune homme, eh bien non plus, je ne me rappelle plus son prénom ni son nom. Par contre, j'ai ramé avec son frère, pourtant, on a fait un péror et. Ouais, ils avaient un peu plus de 30 ans. À côté, on a Proton. Alors la personne que vous avez là, j'en parlerai un peu plus tard. Alors juste à côté de moi, eh bien, on a Eric Schmitt. Là, vous avez Laurent Liermann, qui en fait était le barreur de ce 8. Il a ramé aussi dans le 8, parce qu'il y a un moment donné où il y a eu une défection d'un rameur. On a Hamzalag. Je ne me rappelle plus son prénom non plus. Hamzalag. Enfin, et Jean-Philippe Nasri. Voilà. Alors donc, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous parler de, comment s'appelle ce jeune homme, tout en haut. Eh bien, ce n'est pas le barreur, malgré son gabarit, parce que c'est le plus petit. C'est pas non plus un rameur. Eh bien, c'est l'entraîneur. Et qui dit l'entraîneur? Eh bien, évidemment, c'est moi. Hein? Salut toi, ça va? Hein, comment vas-tu? Oui, qui je suis? Ah. Bonne question. Alors, bon, ben, ça va être un petit peu compliqué à t'expliquer. Voilà, je suis. En fait, je suis ton futur. Ouais, je reviens. Je viens du futur et pour faire court, eh bien, tu es moi et je suis toi. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Eh bien, il s'est passé 30 quelques années. On va dire, 38 ans en fait. C'est plus que 30 ans. 38 ans, alors 38 ans de... Alors là, il y a un avion qui passe. Alors, non, c'est un hélicoptère, évidemment, parce qu'ici, il y a une école de pilotage pas très loin et on a régulièrement des hélicoptères qui passent. Ouais. Bon, t'en faut pas déconner, les hélicoptères, ça existait en ton temps. Hein. Arrête de déconner. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans? Pourquoi ce changement? Ben, il y a 38 ans d'attraction terrestre. Il y a 38 ans de bonnes religieuses au chocolat, d'éclairs au chocolat, de pain au chocolat, etc. Et puis, ben voilà la différence. Ok, alors je te laisse entraîner cette équipe. Hein, j'espère que vous allez avoir des résultats. Je vous laisse quand même la surprise. Voilà. Alors, quant à moi, eh bien, je vous dis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui est assez courte, mais je voulais vous présenter ce 8. Et d'ailleurs, je vous le présente aussi en bateau, tels qu'ils étaient sur l'eau. Et voilà. Et je vous dis pour une prochaine vidéo, si vous la regardez bien sûr sur YouTube, un pouce comme ça. Si vous avez bien sûr aimé la vidéo, si vous avez des commentaires et notamment me rappeler les prénoms et les noms de tous ces rameurs dont j'ai un peu oublié les noms parce qu'ils ont fait qu'une saison. Il y en a certains, ils n'ont fait qu'une saison ou deux saisons. Bon, Jean-Philippe quand même est resté assez longtemps. Eric Schmitt avec Franck Schmitt, son frère d'ailleurs qui était barreur, sont restés quand même quelques années, puis d'autres nous ont quittés très rapidement. Voilà, allez, je vous dis à plus tard, une autre vidéo, bye bye.